Hey tout le monde, c'est Axapes. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, ça faisait longtemps. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter des chaînes que j'adore par-dessus tout et qui ont selon moi vachement peu d'abonnés, voilà. Et ça tombe bien parce que j'ai trouvé plein de chaînes que je suis sûre que vous allez adorer, voilà. Et j'ai des gros coups de cœur. Alors vraiment, si vous avez la flemme d'aller voir toute cette vidéo en entier, allez au moins checker la description parce qu'il y a tous les liens. Et voilà, allez voir ces chaînes, allez vous abonner, allez les partager, bref, vraiment faites tout votre possible s'il vous plaît. Ça me ferait plaisir à moi et aussi bah, aux gens qui sont dans la vidéo quoi, donc vraiment voilà. Je présente dans cette vidéo une dizaine de chaînes, mais pas tous des LPSTubeurs, donc il y en a deux qui ne sont pas du LPSTube, donc je vais commencer par eux. Mais sachez que c'est pas parce qu'ils font pas des vidéos LPS que franchement leurs vidéos sont, c'est juste des vidéos géniales, donc voilà, c'est bien pour ça que je les présente dans cette vidéo. Donc on commence avec un gros coup de cœur que j'ai eu ces derniers jours, c'est Tito. Déjà son pseudo j'adore. Donc Tito, faut vraiment aller voir sa chaîne. Si vous aimez les vidéos de Doc7, vous aimerez ses vidéos à lui. Donc c'est dans le même genre en fait. Enfin bref, je pense qu'il présentera mieux sa chaîne que moi, donc je lui laisse la parole. Salut les curieux, moi c'est Tito et j'ai créé ma chaîne YouTube où je raconte toutes sortes d'histoires. Elles peuvent être aussi bien sur un personnage historique, sur une étude scientifique ou même sur un objet du quotidien. De plus, je ferai une fois par mois une vidéo avec un thème que vous m'aurez donné. Choisissez ce que vous voulez, sport, série, game, géographie, culinaire, c'est vous qui décidez. Bon, je redonne la main à Axel, un grand merci à elle. Ciao les curieux. Donc voilà, alors autant vous dire que j'adore sa chaîne. Il a commencé les vidéos il y a quelques jours, ça vaut vraiment le coup d'œil, donc vraiment allez voir. Donc vous pouvez retrouver ses vidéos avec le petit i qui se trouve ici normalement. Et également dans la description, donc allez checker, allez voir, allez vous abonner, partager, bref, voilà. Il est actuellement au stade de 8 abonnés, ce qui est selon moi vraiment très peu. Petit objectif, au moins les 50 abonnés, voire les 100. Défoncez le score, je compte sur vous les gens. Ensuite, deuxième chaîne que j'ai à vous présenter, c'est encore une chaîne qui n'a rien à voir avec le LPS Tube. Donc c'est la chaîne de Wannabe Kazi. J'ai découvert cette chaîne un peu par hasard et franchement je regrette pas du tout de l'avoir trouvée. Donc en fait, pour vous résumer cette vidéo, il a un peu un genre d'objectif, c'est de devenir ou rencontrer son idole qui est Kazi Neistat. Et c'est des vidéos assez courtes et drôles à la fois. Donc franchement, je saurais pas trop quoi dire à part de vous conseiller de s'abonner à sa chaîne, voilà, tout simplement. Au moins, allez jeter un coup d'œil donc à ses vidéos. Et au fait, si vous aimez Fabien Olicard, sachez qu'il a fait une vidéo avec lui. Donc je vous laisse avec un petit extrait d'une de ses vidéos. À partir du dimanche 3 septembre et tous les dimanches à 10h, je vais essayer de devenir Kazi Neistat ou au moins de le rencontrer. Alors abonnez-vous. Si vous voulez aller voir cette chaîne, le lien est juste ici et dans la description encore une fois. Sa chaîne comptabilise un peu plus de 70 abonnés, donc je n'ai qu'une chose à vous dire, abonnez-vous à lui. Objectif 100 les gars, on y croit. Alors toutes les chaînes que je vais vous présenter ensuite, c'est surtout des chaînes qui font des MV parce que comme vous le savez, je suis une grande fan de MV et je suppose que vous aussi, si vous êtes abonné à ma chaîne, c'est peut-être pour ça, je sais pas. Alors ensuite, une dernière chaîne qui n'est pas vraiment dans le LPS Tube mais qui a quand même un lien avec le LPS Tube, voilà. Donc c'est la chaîne de Chipolata. Donc elle fait des MV surtout, principalement. Des animages et puis des petits dessins animés MV, enfin je sais pas comment vous dire. Bref, quoi de mieux de vous montrer un petit extrait pour vous montrer. Voilà, donc je suis littéralement fan de ces montages, c'est un truc de fou, voilà, vraiment, allez vous abonner, c'est une obligation, là c'est clairement une obligation. Cliquez sur le petit i qui se trouve juste ici pour accéder à sa chaîne. Ou alors c'est aussi dans la description, hein, voilà, je reprécise encore. Sa chaîne comptabilise environ 130 abonnés et c'est vraiment encore une fois trop peu pour le travail énorme qu'elle fait dans ses vidéos.
Donc voilà, allez vous abonner, et pour elle c'est un objectif de 150 abonnés au moins. Si vous pouvez lui faire atteindre les 200 abonnés, ça serait vraiment cool, honnêtement. On passe à présent aux chaînes du LPS Tube. Alors ensuite je vous présente une chaîne que j'adore et que je connais depuis vraiment très longtemps, et c'est bien sûr la chaîne de LPS Low. Alors franchement, rien à dire, j'adore ses vidéos hein, comme d'hab. Elle fait des MV de fou, mais il faut vraiment aller voir, encore une fois. C'est bien pour ça que je présente ta chaîne, hein. C'est un peu le principe de cette vidéo. Alors le seul défaut que je pourrais trouver, c'est que son rythme de vidéo est un peu aléatoire, on va dire. Voilà, donc elle fait pas des vidéos très souvent, un peu comme moi quoi, mais vraiment je pense que même avec ça, elle mérite vachement plus d'abonnés. Donc elle est un peu plus connue que les autres personnes que j'ai présentées dans cette vidéo, puisqu'elle a eu presque 900 abonnés. Voilà, mais je pense qu'elle mérite au moins d'avoir les 1000, franchement, et largement d'ailleurs. Elle mérite largement les 1000, donc faites exploser le compteur, clairement. Alors si vous ne la connaissez toujours pas, je vous mets un petit extrait d'une de ses vidéos. Vous pouvez retrouver sa chaîne juste ici, et évidemment toujours en description. Alors ensuite je vous présente la chaîne de LPS Tweet, donc encore une fille qui fait des MV de malade. Mais d'ailleurs elle ne fait pas que des MV, elle fait aussi des courts-métrages, et aussi tout un tas d'autres vidéos d'ailleurs. Des tags, des tutos, des challenges, un peu de tout en fait. Donc je vous laisse découvrir sa chaîne avec un petit extrait. Vous connaissez la chanson, le petit i, n'hésitez pas à aller checker. Sa chaîne comptabilise aujourd'hui près de 570 abonnés, comme vous pouvez le voir ici. Et je pense, hein, comme d'habitude, que elle mérite vachement, vachement plus que ça. Donc vraiment, j'aimerais vraiment pour elle qu'elle atteigne au moins les 1000 abonnés bientôt, je sais pas quand, mais qu'elle les atteigne un jour, quoi. Objectif, après cette vidéo, au moins les 600 abonnés, s'il vous plaît. Et on termine avec une chaîne que j'adore plus que tout. Voilà, tout est magnifique dans ces vidéos, les montages, la qualité de la caméra, tout, les miniatures aussi, non, vraiment tout est magnifique. Je parle évidemment de Chaizmad, alors désolée si je prononce mal le pseudo. Voilà, je sais pas si ça se pense comme ça, bref. Niveau du contenu, c'est un peu comme LPS Tweet, donc c'est des MV, des courts-métrages, et puis d'ailleurs plein d'autres trucs, hein, d'ailleurs. Donc je vous laisse découvrir sa chaîne avec le petit extrait qui va suivre. You make me wanna die, I'll never be good enough. Et cliquez ici pour en voir plus. Sa chaîne comptabilise un peu plus de 600 abonnés, et évidemment, ça a beau être pas mal, elle en mérite beaucoup plus, hein, encore une fois. J'espère qu'elle aura les 1000 dans les prochains mois. Donc je compte sur vous pour faire exploser son compteur d'abonnés, et tout comme les autres chaînes que j'ai pu insister dans cette vidéo. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de découvrir des chaînes sympas. Et pour les gens dont je présente la chaîne dans cette vidéo, j'espère que cela va vous aider en tout cas. Donc en tout cas, n'hésitez pas à aller checker la description, allez vous abonner tout de suite à ces merveilleuses chaînes. Et aussi, si vous avez des chaînes coup de cœur que vous aimez vraiment mais qui sont pas très connues, bah, faites-le partager en commentaire. Et peut-être que je ferai une deuxième vidéo. Alors sur ce, je vous laisse et je vous fais des gros bisous. Bisous.